Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Saint Augustin, en parlant de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, dit « Hec est clarificatio Domini nostri Jesu Christi » c'est la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ, « Quae ab eius resurrectione sum sit exordium » glorification de l'ascension qui a pris son début, son start de la résurrection. Oui, la résurrection est bien le triomphe sur la mort, sur le péché, sur la malice du démon, oh oui. Mais l'ascension, on est la consommation. C'est le plein épanouissement de ce triomphe. Pourquoi ? Parce que au moment de l'ascension, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, du sommet du mont des Oliviers, détache du sol, et détache du sol, parce qu'il est selon le corps monté au ciel, n'est-ce pas ? Et bien dans ce moment-là, commence pour sa sainte humanité un nouveau moment. Parce que c'est le moment où il n'a plus ce contact direct, temporel, humain, comme au moment encore lorsqu'il bénit les apôtres avant de s'en aller, mais sa sainte humanité entre en plein dans la jouissance de ce qu'il avait bien mérité, la glorification de son corps qui monte au-dessus de tous les cieux, n'est-ce pas ? Et comme nous dit Saint Paul, au-dessus de tous les anges, et qui est, comme nous avons lu dans l'Évangile, assis à la droite du Père. Et là, la gloire et la joie que vit notre Seigneur Jésus-Christ dans sa sainte humanité est absolument unique. Comme est unique la grâce qui sanctifiait cette sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soit la fameuse grâce d'union ou la grâce capitale, dans la même mesure, la gloire et le triomphe du ressuscité qui monte aux cieux est unique à lui. Mais voyez, la chose qui est le grand mystère que nous ne comprendrons que, si Dieu le veut, dans les cieux, c'est que cette grâce, cette joie unique de Jésus-Christ, puisqu'il est le chef, puisqu'il est la tête du corps mystique, eh bien, rejaillit sur tous ses membres, sur nous tous. Et c'est cela l'objet de notre joie, et de notre fêter, et de notre liturgie de ce jour, et de cette semaine, de cette octave de la fête de l'Ascension. Nous sommes bien certains que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ donnait ses dernières instructions aux apôtres, n'est-ce pas ? Avant de monter au ciel, il nous est bien dit qu'il les instruisait. Alors l'Église, vous la ferez comme ci, et comme ça, et comme cela. Et puis les sacrements, il faudra que ceci, cela et cela. Il faudra matière, forme et intention, n'est-ce pas ? Sachez qu'au XXe siècle, il y aura un faux pape qui fera une consécration épiscopale qui n'aura plus l'intention de faire ce feu l'Église, et qui en plus aura une matière défectueuse et une forme qui absolument n'est pas une forme pour consacrer validement des évêques. Non, soyez bien attentifs, faites les sacrements bien, comme je les ai faits, n'est-ce pas ? Gardez bien forme, matière, intention, et ainsi de suite, il leur a expliqué tout. Et puis vous ferez les fêtes liturgiques, vous fêterez ma naissance, vous fêterez ma mort, vous fêterez ma résurrection, mon ascension, vous fêterez la Pentecôte que maintenant vous allez encore attendre. Il leur a expliqué tout ce qu'ils avaient à faire. Eh bien, lorsque il leur expliquait tout cela, ils savaient bien qu'il fallait l'Esprit Saint
Il fallait la Pentecôte pour ainsi dire, compléter cette instruction et pour pouvoir la mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il disait, attendez à Jérusalem, n'est-ce pas, priez avec la Sainte Vierge Marie, parce que là, vous n'êtes pas encore prêts. N'est-ce pas, parce que vous êtes encore très lourd et très lent d'esprit. Attendez l'Esprit Saint, mais quand vous aurez l'Esprit Saint, vous ferez tout ce que je vous ai dit, n'est-ce pas, et vous mettez bien en place l'Église comme je vous ai dit. Parce que moi, maintenant, j'ai fini. J'ai fait mon œuvre que le Père m'a donnée, n'est-ce pas, j'ai payé la dette, n'est-ce pas, j'ai expié le péché du monde, j'ai arraché au démon tout le genre humain, j'ai vaincu sur les puissances des ténèbres, j'ai vindiqué les droits lésés de mon Père, eh bien, j'ai aussi glorifié mon Père, je vous ai parlé de mon Père, j'ai bien mis en évidence toutes les perfections de mon Père, eh bien, c'est le moment que maintenant, j'aille prendre tout d'abord pour moi, et en le faisant pour moi, aussi pour vous, les mérites bien mérités de ma passion que j'ai bâtie pour vous et pour le salut du genre humain. Comme ça, notre Seigneur Jésus-Christ bénit ses apôtres et monte au ciel. Il le voit. C'est un mystère, l'ascension, mais un mystère visible, parce que les apôtres le voient monter au ciel. Jusqu'à un certain point, parce qu'il y a un moment où la nuée cache la visibilité de ce mystère. En effet, les apôtres ne voient pas le terme de cette ascension. Ils le savent par révélation et par prédication qu'il est assis à la droite du Père et au-dessus des anges, mais avec les yeux, ils n'ont pas vu. Ils savent, ils ont enseigné que là, à la droite du Père, c'est-à-dire dans le plus grand honneur, il est assis, c'est-à-dire il repose, il est en pleine possession de l'exercice, de son omnipotence, en gouvernant, sanctifiant, n'est-ce pas, jugeant tous les hommes. C'est lui le chef de l'humanité, c'est lui le chef de l'Église. La grande joie des apôtres, mais la grande joie de l'Église. Mais voyez, mes chers fidèles, malheureusement, nous voyons que ces vérités sont malheureusement pas assez objet de notre considération, sont pas assez objet de notre méditation, de notre prière. N'est-ce pas, nous devrions, lorsque nous chantons dans le Gloria tu solus altissimus in gloria Dei Patris, n'est-ce pas, avoir présent toutes ces vérités. En nous devrait jaillir un grand désir de pouvoir, dans le futur, dans la gloire, nous aussi déposer nos couronnes au pied de l'agneau, comme nous enseigne l'Apocalypse. En nous, lorsque nous lisons les nouvelles, n'est-ce pas, sur ce fameux coronavirus et tout ce qui l'entoure, eh bien, outre à découvrir et à savoir, et pour cela aussi goûter une légitime, naturelle aussi, joie, n'est-ce pas, de connaître la vérité autour de ce grand mensonge qu'il y a autour de ce coronavirus, mais surtout, nous serions et nous observerions tout ce qui se passe en partant de la foi, en partant de la certitude que Jésus-Christ a déjà triomphé de ce gouvernement mondial qu'on est en train d'installer et vers lequel a été fait ces deux derniers mois
un grand pas très décisif. Au lieu de nous laisser aller à une sourde et rage contre celui qui a payé des vaccins, je ne sais pas, en Inde, où des centaines de milliers d'enfants restent paralysés, au lieu de nous déchaîner dans une rage contre qui veut nous vacciner tous et nous émettre le signe de la bête, n'est-ce pas, avec ce chip, au lieu d'être enragés comme les démons qui sont enragés les uns vers les autres, eh bien nous serions pleins de douleur, certes, mais d'une tranquille et souveraine joie intérieure, du triomphe que Jésus-Christ a déjà apporté sur ce mal. Alors nous ne serions pas là avec l'imposteur à prier avec les bouddhistes, n'est-ce pas, et avec les musulmans, jamais de la vie. Nous ne serions pas là à étudier beaucoup de livres, de paragraphes pour aller faire, n'est-ce pas, le cercle carré, pour faire de quelqu'un qui a déjà apostasié publiquement, qui a déjà abandonné la foi catholique, qui a déjà abandonné l'appartenance au corps visible de l'Église, par des actes desquels dit l'Église même qu'elle ne nécessite nullement un jugement de quelque juge que ce soit, n'est-ce pas ? Eh bien, nous ne serions pas là à penser, puisque Bergoglio, il m'a fait un petit sourire et il m'a rendu un service en Argentine, alors il ne faut pas que je lui parle contre, ou si je lui parle contre, il faut que je dise quand même qu'il soit pape. Oh mon Dieu, préservez-nous de ces pensées qui, avec l'esprit de Jésus-Christ, n'ont rien à faire. Plutôt, demandons la grâce, par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, de pouvoir vivre ces mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, cette consommation de sa glorification qui est le mystère de l'Ascension, afin que, comme nous le prions dans les raisons de cette fête, nous puissions, avec notre esprit qui est le sien, vivre dans les cieux, nous qui sommes ici encore sur la terre à combattre, là par contre où lui, avec son corps, est déjà assis à la droite du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.